écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver. Vous aurez remarqué qu'on n'est pas du tout aux endroits habituels, car il y a du changement et donc pour le moment je squatte dans un appartement à Villerue, à la frontière luxembourgeoise. Donc voilà, le décor a complètement changé, mais je n'ai pas mes affaires, je n'ai pas mes meubles, c'est un meublé. On a fait comme on pouvait avec Sébastien. Puisque lui a commencé voilà à travailler au Luxembourg, moi je suis en phase de recherche d'emploi luxembourgeoise. Donc nous voilà pour l'avenir en mouvement, en transition vers Villerue, Audentiche, etc. Pour celles qui connaissent, ouais, vous me comprendrez très bien. Donc on est en transition dans cet appartement-là. Donc c'est pour ça que c'est un meublé, mais dans l'avenir nous recherchons maison, appartement. Frontalière en fait pour pouvoir aller au boulot au Luxembourg-Ville pour moi, et puis bon, Seb il partira en voiture. Donc voilà un petit peu les changements qui se sont opérés, et c'est pour ça que vous n'avez pas de vidéo depuis un moment. J'en suis désolée, mais ça s'est fait vraiment du jour au lendemain, c'était un petit peu compliqué. Donc peut-être qu'à l'avenir, vous n'allez pas forcément en avoir de manière très régulière, parce que là, je vous avoue que je vous filme, mais que je n'ai pas internet. Donc là, je vous filme, je ferai le montage à Villerue et je mettrai certainement en ligne ce week-end, où je planifierai les publications ce week-end chez ma belle-mère, donc à 1h30 de route. Oui, voilà, vous comprendrez que on est fatigué, on fait pas mal de route, on est voilà en train de chambouler un petit peu nos vies. Donc c'est pour ça que j'espère que vous ne serez pas déçus d'avoir moins de vidéos, d'être un petit peu voilà, parce que vous aussi ça vous chamboule. Donc pour l'instant j'ai toujours mon appartement à Reims. Voilà, on n'est pas totalement déménagé pour l'instant, parce que rien n'est sûr de mon côté. Donc pour le moment, j'ai toujours mon appart à Reims. J'y vais y retourner la semaine prochaine. Donc voilà. Donc beaucoup de voyages, beaucoup de transferts, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur aussi, beaucoup d'angoisse. Voilà, parce que c'est pas facile de changer de vie. C'est pas facile de voir son petit cocon. Et pourtant, j'étais très très bien à Reims. Voilà, de voir tout ce qu'on a fondé, toutes les 7000, toutes les 8000, presque, en 2 ans, voir tout ça s'effondrer un petit peu, parce que je ne sais pas si je vais être apte, et j'en ai les larmes aux yeux, apte à vous enfin, comment dire, à vous je sais pas comment expliquer, en fait, ça c'est difficile à dire. Mais à vous réaménager en fait un coin où vous vous sentirez aussi bien que à Reims, quoi, en fait. Parce qu'à Reims, j'avais vraiment tout ordonné de telle sorte à ce que ce soit lumineux, que ce soit agréable et tout. Alors que là, ben, on est, vous l'avez vu, hein, des meubles qui ne sont pas choisis par mes soins. Et tout de suite, ça rend le truc un peu plus triste. Donc, j'ai pas envie d'être triste. Parce que Reims a été une très belle, on va dire, époque de ma vie, puisque j'ai eu mon petit bout de chou, parce que j'ai quand même travaillé là-bas et j'en ai tiré vraiment des amitiés que je n'oublierai jamais. Et puis vous, vous avez fait partie aussi de cette vie à Reims, donc j'ai pas envie d'être triste, mais j'ai un petit peu peur de l'avenir, de ce qui va m'attendre, de ce que voilà, je vais être amenée à faire, et dans un sens j'ai pas forcément envie que ça s'arrête à Reims, mais j'ai pas envie non plus de me mettre des freins pour l'avenir qui vous l'aurez compris est incertain, mais qui peut peut-être réserver de très belles surprises. Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais à vous dire sur le pourquoi du comment. J'espère que les partenaires n'ont pas pris trop peur, bien sûr, parce que c'est vrai que sans eux, je pense pas que je vous ferai autant de vidéos, revues, etc., pour vous déployer autant de tests, autant d'efforts à vous montrer les nouveautés, etc., que je pourrais pas forcément acheter moi-même, on va dire. Mais je tiens quand même à les faire, ces revues-là, parce que
Voilà, si moi j'ai il y a plein de choses sur lesquelles j'avais envie d'investir et qu'au final je savais pas, j'avais jamais trouvé de vidéo où il y avait voilà que ce produit-là où la personne en parlait à fond et donc ça me faisait un peu défaut alors que là voilà je m'exécute sur chaque produit de telle sorte à ce que vous ayez tous les tenants et aboutissants pour pouvoir faire vos choix. Donc j'espère que c'est pas trop pompeux pour vous. Et c'est vrai que du coup, ça me force à en faire énormément et pas forcément à faire des tops ou flops ou alors des produits finis ou alors où on vous colle 40 produits et puis vous pouvez pas faire trop le comment dire la le tri en fait, la sélection. Donc voilà, ça j'espère que c'est un axe de ma chaîne qui vous plaît et que vous ne regrettez pas. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque vous savez que c'est votre chaîne en particulier, pas forcément que la mienne. Je ne suis qu'une porte-parole de vos attentes. Donc voilà pour les changements qui ont été et qui sont encore à venir. Et puis ben j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire à part que effectivement là. C'est une grande nouvelle, donc je voulais quand même. Alors, je reste encore un peu secrète sur certaines choses qui sont en phase de se produire ou de ne pas se produire d'ailleurs. Si tel n'était pas le cas, je vous en avertirai de toute façon plus tard dans un nouveau Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ou je ne sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo parce que je vous parle de moi et des changements. Et voilà quoi, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre un petit peu plus ce qui se passe en ce moment. Puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que je sais que certaines d'entre vous habitent sur Villerue. Donc pourquoi pas enfin, pourquoi pas se voir et puis que vous me donniez les tuyaux, les trucs et astuces, des trucs à voir, des trucs à visiter, des choses pratiques que je dois absolument connaître. Voilà. Donc n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que malgré le fait que j'ai pas internet, j'ai quand même Instagram sur mon téléphone. Donc je vous fais de temps en temps quelques petites photos en vous disant voilà, changement de voilà et je le fais beaucoup plus volontiers sur via mon téléphone et j'ai pas voilà la possibilité sur YouTube de publier via mon téléphone et même si c'était le cas je veux dire la qualité serait pourrie donc c'est pas le but mais vraiment sur Instagram vous m'avez au jour le jour quand ça va pas quand tout ça donc c'est plutôt intéressant. Sur ces bonnes paroles je vais vous laisser et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.